Bonjour à toutes et à tous. Ici Laurie Dubois pour la somme de toutes les peurs. Et non, je n'ai pas fait d'opération de chirurgie esthétique la semaine dernière et je ne me suis pas relookée non plus. C'était juste pour faire un clin d'œil à la chronique Lapin compris numéro 2, rencard sur le thème de la semaine, les peurs des enfants, les très grosses peurs des enfants. Et vous l'aurez compris, je vais vous parler du film Ça. On respire mieux. Alors, ça, c'est un film d'horreur que l'on connaît surtout en tant que film, même si ce n'est pas qu'un film d'horreur, c'est avant tout un roman de Stephen King qui est paru en 1986. Donc, le film Ça, comme je vous l'expliquais, c'est avant tout un roman de Stephen King qui est paru en 1986 et qui a remporté un succès mondial extraordinaire et intergénérationnel. Effectivement, dernièrement, Netflix a remasterisé et refait le film, pour nos plus grandes frayeurs d'ailleurs. Et je vous conseille juste d'éviter de le regarder si vous avez un coulrophobe dans la salle. Parce que là, s'il n'aime pas les clowns, ça ne va sûrement pas l'aider à guérir, à aller mieux. Bien au contraire. Donc, d'où vient cette histoire? Le romancier Stephen King, qu'on ne présente plus, s'est inspiré du tristement célèbre tueur en série, John Wayne Gacy Jr., qui a commis des viols et des meurtres sur 33 enfants. Il a été exécuté en 1994. Donc ce film illustre les peurs et les phobies des ados et comment en luttant contre celles-ci, quand on prend un peu de recul, ils arrivent à vaincre la personnification même de cette peur incarnée par un clown pédophile dans cette triste histoire. Donc la peur absolue que l'on éprouve pour nos enfants serait vraiment qu'ils croisent le chemin d'un tel psychopathe, faut le dire, et que du coup on ne les revoit malheureusement plus jamais. Donc c'est un film que je peux vous conseiller de regarder, mais si vous êtes vraiment sensible, abstenez-vous parce qu'il y a des images qui sont vraiment très dures et très choquantes. Réalisé avec brio, ben, je dirais que Lapin compris a tout compris cette fois-ci, excepté encore une fois que les adultes mettent du temps à écouter ce qu'ont à dire les enfants et à prendre avec sérieux ce qu'ils expliquent et ce qui aura pu faire gagner beaucoup de temps pour résoudre cette enquête et probablement délivrer ces enfants. Car il ne faut pas l'oublier, les enfants aussi sont pleins d'intuition et ont aussi leur manière à eux de nous parler de ce qu'ils vivent, même si parfois ce ne sont pas les mots savants et adultes que l'on attend. Peut-être que si on les écoutait un peu plus parfois, on passerait à côté de bien des drames. Et voilà, c'était Laurie Dubois pour la somme de toutes les peurs dans la chronique Lapin compris.